Voici ça, le pardon. Et le passage de l'homme de Dieu dans une église apporte la bénédiction. Uwepo wa mtumishi wa Mungu kanisani analeta baraka kanisani. Ce matin. Na asubuhi ya leo. Tu ne sortiras pas de ce lieu. Na hautarudi hapa vile ulikuja. Na hautarudi hapa vile ulikuja mpaka Mungu akujaze na baraka. Est-ce que ninaongea na mtu? Tu ne sortiras pas de ce lieu. Hautatoka mahali hapa. Sans que Dieu te comble de la bénédiction. Kama Mungu ayajaza baraka kwako. Expérimenter ce matin ce qu'on appelle des accidents de bénédiction. Léo ou tapata qui tu n'as eu accident la baraka. Amen. Yes. Yes. Tu sors à gauche. On a toqué à Kusoto. Il y a bénédiction. Tout baraka. Et quand tu veux fouiller la bénédiction à droite, à gauche. Ou kakimbele à Kusoto. Tu trouves encore une autre bénédiction à droite. Ou kakimbele à Mélia Koudoura, tu t'as eu tout à fait. À droite, c'est beaucoup. On en a tenu à Koudoura, tu es comme il. Tu veux maintenant reculer pour fouiller la bénédiction. On a peine à Kimbele, Yuma baraka. Et tu trouves encore derrière. On a eu tout à fait. Tu trouves encore notre bénédiction. Nous baraka et je dis, accident de bénédiction. Il y en a toi, accident de baraka. Est-ce que tu crois à cela? Comme on met un minuit, frappe trois personnes. Bigawakitatu. Parle-les aujourd'hui, c'est mon jour d'accident de la Amen. Kwa mimi kuwa a God ministry. Kwa tika huduma ya Mungu God ministry. Je beaucoup aimé ce nom. Nilipenda hii jina sana. Parce que même dans le nom de Dieu mais c'est aussi ni jina ya Mungu tena l'abréviation de ministère. Ni kifupi kwa huduma fulani. Amen. 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 Donc ça c'est prophétique. Hiyo ni katika unabii. Déjà par ce nom ici on sent que Dieu est ici. Lakini kupitia tu hii jina inaonesha uwepo wa Mungu. Amen. 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 Je sais que tu m'as pas bien compris. Nasikia kama wewe hukuelewa vizuri. Je disais déjà par ce nom. Nasema kupitia hii jina Dieu est ici. Mungu yuko hapa. Amen. Yeah. Que j'ai dit que par ce nom Satan est ici. Je n'ai pas parlé de Satan. Je dis déjà par ce nom Dieu est ici. Et quand Dieu est là, comment Mungu eko? La maladie change en guérison. Magonjwa yanageuka kuwa uponyaji. Possible devient possible. Mais si on zika ni na wezekana. Ce qui était insurmontable devient surmontable. Yote ilikuwa kuweza kushindwa na wezekana. Ce qui était négatif devient positif. Yote ilikuwa kinyume na kwa mambo ya kuwezekana. Yote ilikuwa ya nyume na kwa ya mbele. Parce que notre Dieu, kwa maana Mungu wetu, il est maître des circonstances. Yeye ni Bwana wa matukio yote. Et des temps. Na muda. Je dis merci beaucoup pasteur bienvenu. Ninasema asante sana kwa mchungaji bienvenu. Cet homme de Dieu est merveilleux. Huyu mtumishi wa Mungu kweli ni mtu wa maajabu. Pasteur quand il raconte comment c'est mal aimé. Kuna watumishi wengine wa Mungu kaonana nao unaanza tu kuwapenda. Parce qu'il a une grâce exceptionnelle de la part de Dieu. Kwa maana kuko neema moya ya upande wa Mungu. Si vous êtes habitué avec un homme vous ne voyez pas la chose spirituelle qui est en lui. Kama mko na mtu auwezi kujua zaidi mambo yake ya kiroho iko ndani mwake ya Mungu. Sisi tunatoka mbali. Wakati tulimuona tukasema wow. Peko kitu cha maajabu. Amen, 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 amen. Yes, Lord God. Yeah. Et quand vous comprenez ça? Na mkaelewa hiyo. C'est alors que vous serez béni. Na hapo ndio mtabarikiwa. Ndio. Plusieurs yeux. Kuna macho mengi. Employé pour voir un homme de Dieu. Il n'a pas cher ou tumier quoi ouais que Dieu a mutumishi. Tu peux voir en lui. On a ouais ça pour moi dans un simple homme. Moto a évité tout. Tu peux aussi voir en lui. On les a on a tenu dans les mois. Un cousin. On les a montré ma. Ou un frère. Cousin. Ou un ami. Ah ou Rafiki ah ou Ndou. Tu peux aussi voir en lui. La qui nous tenait dans les mois. L'homme qui porte les solutions de Dieu pour le peuple de Dieu. Moto a nachugua jibu ya Mungu kupitia kwa ajili ya watu. Mais quand tu le vois comme ça. Na ukimwona hivi. Chose change dans ta vie. Mambo inaanza badilika maisha. Kama semeni semeni tendile mko.
Quand il se met seulement à tenir. Nakisima makushika microphone. C'est ça la puissance de Dieu. On a siqué un weapon à mon. Yes. Yes. La bénédiction du Seigneur pour ce temps. Baraka yomba kitabu kishwa bongo. Il y a des gens qui ne bénissent pas Dieu là-bas. On a voit tout couler à je dis bénissons le Seigneur pour l'homme de Dieu. Na sema tu bariki Mungu kwa ajili ya mtumishi wako. Alléluia. Notre frère là qui est en train de jouer au téléphone, je sais même pas. Ou l'écho au téléphone, ou l'écho au téléphone. À l'église, il faut être attentif. Kanisani, tu n'as pas chaque fois makini pour faire ça. Ce sont ceux qui sont attentifs qui sont bénis. Ni wale wanafata sana, ndio wanabariki. Moi, je viens du Congo. Mimi nimetoka Congo. J'ai mon église au Congo à Kinshasa. Niko na kanisa huko Congo Kinshasa. Mon église s'appelle la Bible ouverte. Kanisa langu inaitwa Biblia wazi. Amen. Amen. Bravo Seigneur. Et je connais le pasteur bienvenu. Nilimjua pasteur bienvenu. Par le canal de mon ami et mon jumeau. Kupitia rafiki yangu na lipasa yangu. Le bishop Elise qui était avec lui. Ni ule bishop Elise Mulumba ule alikuwa kumkutano hapa. Amen. Aliniambia vizuri sana kuhusu mtumishi wa Mungu bienvenue na mimi nikasema na pasha napenda nimuone. Et quand je l'ai vu, na wakati nilimuona, j'ai compris pourquoi le bishop disait parler de lui. Na nikatambua kwa nini bishop alikuwa anaongea juu yake. Alijua grace de Dieu là. Aliona neema ya Mungu iko juu yake. Amen. 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 Vous parlez du bien de votre pasteur. Mon gars m'a surpris quoi dire à mon tumishi pasteur Wendo. Les Américains qui passent là ne le comprennent pas comme vous le comprenez. Les Américains on a pita ou est-ce que vous m'ignorez comme un film où vous n'avez pas compris. Ils ne le connaissent pas. Quoi ça va vous avoir mutu. Vous le connaissez. Mais ni nous n'avons mutu. La dimension spirituelle. Katika hali ya kiro. Vous parlez du bien de votre pasteur. Mon gars m'a surpris quoi mon tumishi. Quand tu parles du bien de votre pasteur, ça attire d'autres personnes de venir voir aussi votre pasteur. Na un gars m'a surpris quoi mon tumishi Wendo. Il t'a puta wengine. Waje wa mwone mchungaji wenu. Amen. Yes, 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 yes. Hiyo kweli, hiyo kweli. Amen. 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 J'ai plusieurs églises au Congo, dans beaucoup de provinces. Ina makanisa mengi huko Congo mu ma province ya mingi. Et dans notre pays, je suis parmi les plus grands prédicateurs dans notre pays. Kwa nchi yetu yeye ni mmoja wale wahubiri wakubwa, anajulikana sana Congo. Congo yo. La grâce que Dieu m'a donnée. Ni neema ambayo Mungu alimpatia. Prêcher la parole. Neno la Mungu. Quand le bishop parlait au pasteur bienvenu. Wakati yo bishop alikuwa anaongea juu ya pasteur bienvenu. Là c'est mon jumeau. Uye ni lipasa yangu. Na il est dangereux dans la parole. Na yeye ule ni wa maajabu katika neno la Mungu. Chacun a sa grâce. Kila mmoja iko na neema yake. Et moi j'ai ma grâce. Na mimi ninao neema yangu. Donc aujourd'hui là. Lakini leo. C'est aussi une grâce de Dieu pour vous de m'écouter. Na leo ni neema ya Mungu kwa nyinyi kunisikia mimi. Parce que le mercredi je prendrai mon avion je rentrerai au Congo. Siku ya tatu nitapanda ndege yangu na rudi ya Kongo. Vous êtes parmi les dernières églises. Mko kanisa ile ya mwisho. Où je vais libérer les choses. Ambapo mimi nitafungua. Amen. 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 Nimefanya karibuni mwezi mmoja hapa mimi. Je, Dieu voulait que je sois là avec vous. Lakini leo Mungu alipenda niwe hapa. Vous avez quelque chose. 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 Dieu n'est pas grand parce que l'église est grande. Mungu si mkubwa sababu kanisa iko kubwa. Non. Vous pouvez avoir une très grande église. Vous n'êtes pas une kanisa kubwa sana. Mais n'est pas vivre des grands miracles. Na amuishi miujiza ya Mungu. Parce que Dieu n'est pas là. Sababu Mungu anapo. Il y a des gens qui sont dans les grandes églises, il y a beaucoup de blancs, ils ne viennent sérieux. Kuna watu wakishamba kanisa makubwa kwa sababu kwa wazungu anakuwa sérieux. Dieu n'est pas grand parce que l'église est grande. Mungu si mkubwa sababu kanisa iko kubwa. Dieu est grand parce qu'il est grand. Mungu ni mkubwa sababu ni mkubwa. Nous l'invoquons même si nous sommes à deux. Mungu tukimuabudu hata tukiwa wawili. Il est toujours capable de faire des grandes choses. Anaweza kufanya tu mambo makubwa. Il est capable de faire disparaître des cimes.
sida. Anaweza hata kuondoa hiyo inaitwa sida. Guérir des cancers. Anaondoa makansa. Opérer les délivrances. Analeta ufungulivu. Parce qu'il est grand. Kwa sababu yeye ni mkuu. Quand tu viens ici. Na kicha hapa. Regarde pas à gauche. Ukicha hapo siangalie kushoto au kutwati. Sache que Dieu est ici. Sua ya kwamba Mungu eko hapa. Et sa grandeur est ici. Na ukubwa wake uko hapa. Amen. Amen. Jésus, moi je ne crois pas qu'on peut se réunir comme ça pour parler, chanter et sortir. Nous sommes venus ici pour une réunion très prophétique et spirituelle. Mimi siamini kwamba tunakuja hapa kukaa kusikia neno kutoka. Tulikuja hapa kwa sababu ya kitu moja cha muhimu ya kinabii ya Mungu. Amen. 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 Soyez très attentifs. Na kuomba sana ufate sana. Kwa sababu mimi sijanja kuhubiri. Natafuta sasa nihubiri. Fungua Biblia pamoja na mimi. Nina tamani kuhubiri kitu moja kidogo sana. Inacho ya kwamba Mungu ataongea na wewe. Na ukiamini hiyo, sema amen mara tatu. Ile mstari ya tatu ya nyuma sijasikia kabisa. Napenda kusikia amen ile mstari ya tatu. Kama tunafuata sana Mungu anabariki. Nous sommes dans le livre de Marc. Tuko katika kitabu cha Marko. Chapitre 5. Chapitre 5. Sura ya 5. Marko sura 5. Vous êtes avec moi? Tuko pamoja. C'est bon? Ça va? Commençons à partir du verset 6. Kwanza kumustari wa sita. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Tutasimama kwa kuheshimu neno la Mungu. Amen. Tutasimama kuheshimu neno la Mungu. Je vais prêcher ce matin. Nitahubiri asubuhi ya leo. Kwa ajili ya neno hili. Si Dieu exauce les démons, kama Mungu anajibu mapepo, pourquoi pas toi? Kwa nini wewe? Dans ce texte, on parle beaucoup plus de la délivrance. Katika hiyo neno wanaongea zaidi kuhusu kufungwa. Kama quelqu'un touche ce texte, kama unaona mtu anagusa neno hili, il veut parler de cet homme qui était lié. Anapenda kuongea kuhusu mtu alikuwa kifungwa dans les cimetières. Alikuwa akitembea kwenye makaburi. Alikuwa akilalamika. Quand on le mettait les chaînes, walikuwa wanamfunga, il cassait cela. Alikuwa anakata minyororo. Ce texte montre, hiyo neno linasema, les signes alama d'une personne ya mtu qui est dirigé aliyekuwa anaongozwa par la puissance du monde satanique na uwezo wa nguvu ya kishetani. Premièrement, ya kwanza, quelqu'un kama mtu qui est dirigé par les démons anaongozwa na mapepo, il habite, il aime plus être seul, anapenda zaidi kuwa peke yake, il n'aime pas être avec d'autres personnes, apendi kuwa na wengine. Quand quelqu'un est possédé par les démons, il vit une vie de solitude. Kama Mungu eko na mapepo, mtu eko na mapepo anapenda kuishi peke yake. Quand vous voyez quelqu'un qui aime être trop seul, kama unaona mtu anapenda zaidi kuwa peke yake, ce n'est pas seulement parce qu'il fuit les problèmes, sio sababu anakimbia makelele. Ça peut aussi être un signe que dans sa vie inaweza kuwa pia alama katika maisha yake, puissance démoniaque, kuna uwepo wa nguvu ya kishetani. Les gens qui sont dans la magie, kama watu wanafanya magie, et dans l'occultisme, na katika mambo ya occultisme, elles vivre éloigné des autres, wanajitenga sana na watu, ils sont trop seuls, weko zaidi peke yao. Dans leur maison, il y a des chambres où personne ne peut entrer. Manyumba yao kuna machumba ambayo watu wengine hawawezi ingia. C'est un peu cette personne ici que nous voyons. Ni zaidi kama vile yule mtu tunaye. Il n'habite pas là où tout le monde habite. Hakuishi mahali kunaishi watu wengine. Sa demeure était dans les cimetières. Makao yake alikuwa kwenye makaburi. Et souvent c'est le cas. Na zaidi ndio. Vous voyez des enfants à la maison. Ukiona watoto nyumbani. Qui aime souvent être seul. Anapenda kuwa peke yake. Il faut faire très attention. Fanya angalisho. Ça peut être un signe. Inaweza kuwa la. Puissance des ténèbres. Nguvu ya giza. Parce que quand le diable attaque, possède quelqu'un, il a un comportement antisocial. Kama shetani anapata mtu akikamata huyo mtu tena mtu yuko na tabia yake ya kitofauti. Deuxièmement. Ya pili. Nous remarquons cet homme. Tunatambua mtu huyo. Il déchirait les habits. Alikuwa anakata mavazi yake. Ça c'est aussi un signe. Hiyo nayo ni alama. Et quelqu'un qui est possédé par des puissances. Ya mtu anayekuwa na jana mapepo. Il ne s'occupe pas. Ajali. De s'habiller de sama comme tout le monde. Kuvaa vizuri kama watu wengine. Soit il est sexy. Sababu anavaa mambo ya kisexy. Anafungua mavazi yake mwili yake na kwa wazi. Cet homme ici, il ne s'habillait pas comme tout le monde. Il ferait de son mieux pour exposer son corps. Quoi, les gens voient même
toutes ses parties intimes. Na hata mtu aone mwili wake wote. Et ça c'est un signe. Hiyo ni alama que la personne ya kwamba mtu possède pas de puissance satanique. Amejaza na nguvu za kishetani. Il y a certaines personnes. Kuna watu wengine qui sont dans une saleté incompréhensible. Wako katika uchafu hauwezi kuelewa. C'est la base un problème. Hiyo kunawa hata ndio shida. Je donne des odeurs bizarres. Na wanatoa harufu mbaya. C'est ce qui est dit dans la vie de cette personne. Dieu ilikuwa maisha ya huyo mtu. Il ne s'habillait pas comme tout le monde. Hakuvaa kama watu wote. Il avait alikuwa toujours à tout moment kila wakati des habits bizarres. Mavazi mabaya. Son corps était exposé à la nudité. Mwili wake ulikuwa na mwacha wazi. Il se sentait à l'air. Na akukuwa anajisikia sawa. Un autre signe qu'on aimait cette personne. Na alama ingine tunatambua kwa tout moment qu'on voulait le dompter. Kila wakati wakitafuta kumfunga. Il brisait les chaînes. Alikuwa anakata kamba. Qui est possédé par des démons. Mtu anayechezwa na mapepo. Il n'aime pas qu'on le discipline. Apendi mashauri kuongozwa. Vous cherchez à le discipliner. Ukitafuta kumongoza. À l'orienter. Kwa kumongoza. Pour qu'il vive comme tout le monde. Akuishi kama watu wote. Il va briser cela. Atakata hiyo. Il ne sait pas faire des choses que lui veut. Atapenda kufanya vile anapenda. Et c'est un homme compliqué. Ni kama mtu asieleweka. Il habite dans des cimetières. Anaishi katika makaburi. Mais on ne sait pas le maîtriser. Na hawezi kumtuliza. Mama, comme une femme. Na kama un homme. Kama mwanamume na mwanamume au possédé par des démons. Eko na mapepo. Vous pouvez donner des conseils. Unaweza kumpa shauri. Sana ni tafera rien. Na yaweze kusaidia chochote. Vous l'envoyez à l'école. Unaweza kumtuma kwa shule. Fera rien du tout. Haitasaidia yoyote. Vous pouvez lui donner de l'argent. Unaweza mpa pesa. Fera rien du tout. Haitamsaidia chochote. Parce que ce n'est pas un problème de conseils. Kwa sababu haina shida ya mashauri. Un problème de démons. Ni shida ya mapepo. Il y a que Jésus. Il n'a pas chez Yesu. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Celui qui a mis le diable à genoux. Quand nous mentionnons son nom, les démons sont dans la débandade. Le diable à genoux. Les démons éclaboussés. Les sorciers à terre. Parce qu'il a reçu le nom qui est le Il a continué la réponse. Mais ce n'est pas la colère. Si on qui sera la réponse. Mais ce n'est pas l'argent. Si on pèse la réponse. Jibu. Ce n'est pas l'éducation. Si on m'a posé la réponse. Jibu. C'est Jésus. Jésus. Patrícia! Patrícia! Patrícia!
qui est béni par lui ne peut pas être maudit par les sorciers. C'est celui qui élève sans demander la permission les membres de ta famille. Il ouvre des portes sans passer par les portes. C'est celui qui choisit sans demander la vie de ton voisin. Quand il te choisit, quand il te bénit, il te bénit. Quand il te lève, il te lève. Quand il te lève, il te lève. Je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus. Je parlais de Jésus. Quand on cite le nom de Jésus, si ça ne se fait rien, c'est qu'il y a un problème en toi. Parce que ce nom-là, au ciel, les anges le chantent. Sur la terre, les véritables chrétiens le chantent. Sur la terre, les démons sont obligés de parler de mon nom. Qui restait dans le cimetière? Cet homme, quand on mettait sur lui des chaînes pour le dompter, mais quand il a vu Jésus, il a dit, laisse-moi, vis Jésus. La Bible dit, allez pour moi, à tout Jésus. Il s'est coulé. Akanja kukimbia. Et c'est prosterna. Akasimama. Sakuri. Akakimbia. Et c'est prosterna. Akasimama. Ça prouve que Jésus. Ni kusema Yesu. Est le Seigneur. Yeye ni Bwana. Ce que les hommes ne peuvent faire. Il est watu wa Yesu. Jésus peut le faire. Yesu anaweza. Ce que les médecins ne peuvent faire. Yale wa docteur wa Yesu. Yesu anaweza tena. Ce que à l'école on peut pas faire. Yale masomo wa Yesu. Jésus est capable de faire. Yesu anaweza kutenda. Les femmes qui ont un problème des enfants ici. Ama wake wako na shida wa kutoa des enfants. Yesu atakupa. Les gens qui ont problème de stomac, des hypertensions. Kama mko na shida. Jésus la hypertension. Ce n'est pas ça ce que moi je voulais prêcher. Ça c'est que tout le monde prêche. Moi je voulais prêcher autre chose. Quand c'est démoniaque là, dit Jésus. Lisez bien la Bible. Il s'est prosterné. Aïe 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 aïe. Wakati walishuka chini, Yesu akapoza la question. Yesu akauliza, "Qui êtes-vous? Nyinyi ni wanani?" Ili connaître l'identité. Wana anapenda kujua anwani jina yao. Isote. Wakasema, "Nous sommes une légion." Sisi tuko mapepo wewe. Une légion. Mapepo. Ça comprend 3000 à 6000 démons à l'intérieur d'une seule personne. Maana yake ni ma 3000 au 6000 ya mademo ndani ya mtu mmoja. Quand vous voyez des comportements bizarres dans une vie d'une personne, ça demande aussi le nombre de démons qui sont dans. Ukona mtu kwa na tabia moja tofauti, ujue mtu yuko na hesabu nyingi ya mapepo ndani. Écoutez maintenant ce qui m'étonne. C'est qui est ça? Mon Dieu. Verset 10. Mustari wa 10. La Bible dit. Bible nasema. Vous êtes avec moi? Tuko pamoja? Vous êtes avec moi? Tuko pamoja? Et il pria instantanément Jésus de ne pas les renvoyer du pays. Na wakamwomba Yesu asiwafukuze katika inchi moji. Qui ont prié? Wanani waliomba vile? Amsikie. Qui ont prié? Wanani waliomba? Mapepo. Waliomba. Pepo ni mbaya. Les démons, ouais. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que les démons prient. Na kucha kuambia ya kwamba kutue na mapepo wanaomba. Et il prie à Jésus. Na wakamuomba Yesu. Tu n'es pas le seul qui prie. Auna peke yako mwenye unaomba. Les démons prient. Mapepo na wanaomba. Les démons. Mapepo. Connaissent. Wanajua. La puissance de la prière. Uwezo wa maombi. Hey. Les démons. Mapepo. Comprennent. Wanajua que par la prière, kupitia maombi, on peut éviter certaines choses. Tunaweza kukimbia mambo mengine. Jésus était venu avec comme mission de les faire sortir là-bas et de les chasser où? Dans les lieux arides. Yesu alikuja na mission ya kusema kuwatosha hiyo fasi na wapeleke mahali pakavu. Mais comme ils ne voulaient pas aller dans les lieux arides. Na vile kupenda waende kwa mahali pakavu, ils ont prié. Waliomba. C'est pas moi qui écris. Sio mimi niliyeandika. La Bible. Ni Biblia. On dit que ils ont prié. Inasema waliomba. Les démons, mapepo, ils étaient 3000 à 6000. Walikuwa 300 mpaka 600. Ils ont fait une conférence. Walifanya mkutano.
Et ils se sont entendus. Na wakaelewana. Si nous ne voulons pas périr. Si si kama tupendi kupotea. Nous devons prier. Tunapaswa kuomba. Les 6000. Hiyo ni concerté rapidement. 6000. Waliungana 6000. Rapidement. Mbio mbio. Il n'y avait pas de division. Hakukua kuachana. Parce qu'ils ont compris. Kwa maana walielewa. Si il n'y a pas d'unité ici. Kama kuna umoja. Chacun d'entre nous. Moja wetu bila kupiri. Tutapotea sisi wote. Mais il y a des chrétiens ici. Kuna wakristo. Quand vous êtes en danger. Kama mko hatari. Vous pouvez rassembler. Dieu au lieu que les couples ici. Dieu quand ils sont en danger. Au lieu de s'en rassembler. Papa et maman t'es caché. Les enfants de prier. Il y a des familles ici. Au lieu de s'en rassembler. Il y a des divisions. Kuna makuachana. Wakati wa shida. Passons rapide. Yao walifanywa kwa dakika. Les 3000 et les 6000 démons qui étaient là. Il est mis à ta elfu tatu na yo mia si elfu sita. Wali elewana. Et ils ont prié. Na wakaomba. Ils ont prié. Na wakaomba. Ils ont dit à Jésus. Wakamwambia Yesu. De ne pas les envoyer très loin du pays. Asiwapeleke mbali na mji. Première chose. Kitu ya kwanza. Les démons connaissent la valeur de la prière. Mapepo wanajua umuhimu wa maombi. Et ils vous envoûtent pour que vous ne priez pas. Na wanamitia usingizi ili msiombe. Et même connaissent la valeur de la prière. Mapepo wanajua nguvu ya maombi. Ils vous envoûtent la nuit. Wanawaleta wanawalalisha usiku. Avec le warehouse, vous n'avez pas le temps de prier parce que vous êtes fatigué. Na choko ili msiombe sababu mmechoka. Et même connaissent que ça la prière. Lakini mapepo pekee wanajua nguvu ya maombi. Na wana kuzuia. Il prie. Wanaomba. Les démons prient. Mapepo wanaomba. Ils ont vu Jésus. Walimuona Yesu. Ah! Ils savaient que Jésus était venu là-bas pour les chasser dans les villes. Walijua Yesu anakuja kuwafukuza wapeleke mahali pakavu. Les faits qui sortent de cette personne là. Kwa wao kutoka kwa ndani ya mtu. Ce n'était plus un procès. Ce n'était plus un procès. Il savait que ça allait se passer comme ça. Walijua kama itatendeka vile. Walijua. Mais ils ont compris. Na walielewa. On va nous chasser. Watatufukuza. Mais ça ne fait pas aller dans les lieux arides. Lakini atupeni kwenda mahali pakavu. On est sorti du pays. Lakini tutatoka kwa hiyo. Tunapenda kubaki kwa hiyo mji. Solution. Na jibu prière. Maombi. Les démons connaissent la valeur de la prière. Ma pepo wanajua umuhimu wa maombi. Mais toi tu dors même sans prier. Lakini wewe unalala hata bila kuomba. Certaines personnes qui sont venues aujourd'hui, ils n'ont même pas prié. Na wengine walikuja leo hapa na hata mkono. Les gens aux États-Unis sont devenus gros. Wetu wa Amerika wanakuwa wanene. Avec les McDo. Sababu wa McDonald's. Ils sont devenus gros. Wanakuwa wanene. Mais à l'intérieur vous êtes petit. Lakini ndani ni watoto wachanga. Un simple démon est capable de vous mettre la terre. Démon moja anaweza kukulalisha chini. Parce que vous avez oublié le chemin de la prière. Kwa sababu mulisaulika njia ya maombi. Vous priez plus quand vous priez quand vous êtes au pays. Maombi vile mlikuwa naomba mkiwa Afrika. Vous priez quand il y a des problèmes sérieux. Munaomba ni wakati mnapata shida. Alors que les gens disent il faut mieux prévenir que guérir. Na watu wanasema ni lazima kukinga kuliko kupata prière. Na pasha kuomba. Deuxième chose. Si tu y appelles, quand ils ont prié, quand tu vas lire, ils ont dit à Jésus. Quand ils savent quoi, Jésus. Ne nous envoie pas en dehors du pays. Aussi tu pleures que inje ya mungu. Deuxième qualité de cette prière démoniaque. Aïna ya mpili ya maombi ya mtu wa mapepo. Il savait ce qu'il voulait. Walijua kitu wanatamani. Ils n'ont pas prié. Awakuomba. Dans les désordres. Yes. Katika kifujo. Il savait ce qu'il voulait. Walijua kitu wanataka. Il y a des gens qui viennent à l'église. Kuna watu wanakuja kanisani. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Hawajui kitu wanatamani. Nous ne venons pas ici seulement. Hatukuja hapa juu ya shote. Kwa kuimba tu. Pour rencontrer les gens. Kwa kukuta watu. Nous ne venons pas ici seulement. Hatukuja hapa. On est habitué à ça. Sababu tuko na tabia ya kukuja kanisani. Nous venons ici. Tumekuja hapa. Il y a un Dieu. Kwa makupa Mungu. Qui répond aux problèmes. Anayejibu katika shida. Tu peux prendre quelqu'un aweza kuleta en bas mto wa chini asoir avec les grands pamoja na wakubwa. Il y a un Dieu qui est capable de changer l'histoire des gens. Il y a un Dieu qui est capable de guérir les maladies. Il y a un Dieu qui est capable de changer les rangs sociaux d'une personne. Il y a un Dieu qui est capable de donner les mariages à une femme qui a dépassé 40 ans. Il y a un Dieu qui est capable de donner des enfants à une femme qui a fait 15 ans d'estérilité en priant
nimesema. Vous priez, vous ne recevez pas. Na mupache. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut demander à la prière. Il y a des gens qui viennent prier qui suivent les autres parce que papa a dit on va aller à l'église parce qu'il est habitué à venir à l'église depuis Kinshasa, depuis Goma, depuis Bukavu, depuis Kigali. Quand il vient prier et quand il vient prier, il faut venir prier avec un objectif. Anne avait un objectif. Son mari lui a dit, pourquoi tu pries comme ça? Rentre à la maison. Tel que tu es là, tu as de la valeur pour moi. Fils que le fils a compris que c'était de l'aventure et du mensonge. Parce que si moi j'ai de la valeur plus que le fils, pourquoi tu es plus pénitent? Il dit non, moi aussi je dois avoir des enfants. Il y a des moments où bien aimé, tu n'as pas seulement besoin des encouragements, tu n'as pas seulement besoin des exhortations, tu as besoin de miracles dans ta vie. Il y a un certain moment, il faut que ta vie change. Il y a un certain moment, il faut que ton témoignage change. Il y a un certain moment, il faut que ton histoire change. Il y a un certain moment, il faut que la réalité de ta vie change. Il y a un certain moment, il faut que tu puisses avoir la paix. Il y a un certain moment, il faut que tu puisses avoir les réponses. Alléluia. Comment je suis passé? Les gens ont vu Jésus. Mais Bartimée n'avait pas vu Jésus physiquement. Mais dans la vision, lakini katika maonyo, il a vu que Jésus marchait avec ses yeux. Aliona Yesu alikuwa anatembea pamoja na macho, alimuona naye. Tout le monde qui avait des yeux. Watu wote walikuwa na macho. Voyait Jésus normal. Walimuona Yesu wa kawaida. Lakini n'avait pas des yeux. Yeye asiyekuwa na macho. Il voyait que Jésus marchait avec ses yeux. Alimuona Yesu alikuwa akitembea na macho. Yake. Les yeux physiques. Macho yake ya kimwili. Njia. Mais la vision. Lakini vision maonyo yake. Voir la destinée. Iliweza kumuona maelekeo yake. Ce n'est pas parce que tu as les yeux que ta vie va changer. Sio sababu uko na macho ndio maisha yako itabadilika. Vision. Ni papo wewe na maono. Unaona kule mbele. Ile unatamani. Sio pourquoi tu es venu. Ndio maana ulikuja. Hapa Amerika. Sio pourquoi tu es venu. Ndio maana ulikuja. Hapa kanisani. Alors que ta vie va changer. Na hapo maisha yako itabadilika. Amen. À un certain moment, moja, je venais à l'église parce que je suivais mes amis. Je venais à l'église parce que j'étais habitué depuis l'enfance. Mais à un certain moment, wakati moja, la Bible dit, Dieu, il faut aussi que des espoirs arrivent dans la vie. Je dois voir des espoirs. Moi aussi, je dois témoigner. Moi aussi, ma vie doit changer. Ma vie de mes enfants doit changer. Moi aussi, il faut qu'on parle de moi. Moi aussi, il faut que je laisse des traces. Je ne prie plus comme un aventurier. Quand les gens dérangent, tu vas te concentrer. Quand les gens ne veulent pas s'aimer à l'œuvre de Dieu, tu vas te moi je sais. Je sais où je vais. Les démons connaissaient. Ne nous envoie pas en dehors du pays. Dans les lieux arrêtés. Gardez-nous ces mains dans les pays là. Les démons avaient la vision. Ma peuple, quoi, ma pourquoi des fois ta vie ne change pas? Tu n'as aucune vision. Yes. Tu n'as aucune vision. Nous devons avoir une vision pour cette église. Tu dois avoir une vision pour ton foyer. Tu dois avoir une vision pour tes enfants. Tu dois avoir une vision pour ton mari. Si tu n'as pas de vision, tu n'iras pas loin. Quand le diable a saisi Samson, il n'a pas tué ses bras. Samson symbolisait la force. Samson manake ni nguvu. Il a tué quoi? Ses yeux. Vision. Vision. Aliwan maonyo yako. Vision. Maonyo. Frère, Dodo, quand tes parents sont vivants, c'est le moment de profiter. Wakati wazazi wako wanaishi ni wakati wa kuwa. Tu vas souffrir. Wakati hawatakuwa hapo utateseka. Faut avoir une vision. Unapasha kuwa na maonyo. Démon, ma pepo. On la vision. Weko na maonyo. Démon, ma pepo. On la vision. Weko na maonyo. Ils ont dit. Walisema. Ils nous envoient pas. Usitutume loin.
bali. Ukaa ndani ya nepi. Utuchunge katika mji. Ukaa ndani ya nepi. Utuchunge katika mji. Bien-aimé. Ndugu wapenzi. Dieu ne te bénit pas en fonction de tes études. Mungu akubariki juu ya masomo yako. Dieu ne te bénit pas en fonction de tes diplômes. Mungu hawezi kubariki sababu ya madiploma. Dieu ne te bénit pas en fonction de tes relations. Hawezi kubariki kwa ajili ya kujuana kwako na watu. Quand des frères qui ont beaucoup d'argent mais toi tu es le plus grand pauvre de la famille. Unaweza kuona watu wa ndugu wako na pesa mingi lakini mchamila kwa wewe uko maskini kwa. Peut être aux États-Unis mais tu es la personne la plus démunie aux États-Unis. Unaweza kuoko hapa Amerika na uko mtu aliye chini ya watu wote hapa. Il y a des gens qui sont seulement aux États-Unis à cause de nom. Kuna watu wengine wako Amerika sababu ya jina tu. Ils n'ont rien du tout. Na wana kitu chochote. Mais aujourd'hui ils n'ont rien. Wakikufa leo wana nini? Hawakuacha kitu. Ils sont seulement des dettes. Na wengine wataacha tu ni madeni. Unapasha kuona maonyo ndugu. Comment sera ta vie dans 5 ans? Maisha yako itakuwa namna gani miaka 5? Ya kesho. Kuna watu wako hapo. Leo vi? Maisha yao. C'est pas critiquer les gens. Ni ku critiquer watu. Wasema. Maisha yao. C'est pas parler de bien des autres. Ni kusema mabaya juu ya wengine. Il vient à l'église à cause de ça. Wakuja kanisani kwa sababu. Wanaelewa character la de la famille. Wanaelewa tabia yao ya huko. Anakuja. Tu as vu tes sœurs? Tu as vu tes frères? Uliona ule ndugu ule ndugu. Wakati anasema. Anaongea kwa lugha. Lakini maisha yake. Critique. Ma critique. Parle mal. Kusema mbaya. Parle mal. Kusema mbaya. Même contre le pasteur. Même contre la femme du pasteur. Atabibia dans les gens. Atabibia mchungaji. Après 5 ans. Atabibia kisha miaka 5. Rien ne marche dans leur vie. Hakuna kitu kinatembea maisha yao. Pas de vision. Hawana na maono. Wakikuja kanisani. Pour venir pour avoir une vision. Unakuja kwa kupata maono. Unapasha kuwa na maono. Quelle sera ma vie avant la fin de ma vie? Maisha yako après la fin de cette vie. Maisha yako itakuwa namna gani kisha mwaka? Kisha miaka 2 nitakuwa nani? Kisha miaka 2 nitakuwa nani? 3 ans qu'est-ce que je suis? Kisha miaka 3 nitakuwa nani? Qu'est-ce que je compte faire au pays? Kitu gani tafanya kwa nchi? Shetani. Démon. Mapele la vision. Walikuwa na maono. Ne nous envoie pas loin. Usitutume mbali. Ici c'est moi. Hapa patu. Ici c'est moi. Hapa patu. Mama 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 mama. Ha. Verset 13. Mstari wa 3. 13. Verset 11, je vous le dis. Oh, il y avait par là sur la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Ça va vous coulir quoi, papa? Béni, comme vous le dites, ma grue, mengi, va le quoi, qui coule. Verset 12. Vous savez, vous avez dit. Lisez avec vous. Soma, pas moi, j'en ai dit. Vous savez, vous avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé le verset 12? Vous savez, vous avez dit. Soma, c'est maman ou somme, c'est maman ou somme. Mapepo ikasema ututume kwa hiyo manguruwe ili tuwaingie. Ils ont prié une première fois. Waliomba ya kwanza. Wakaomba tena turi ya pili. La deuxième fois qu'est-ce qu'ils ont dit? Walisema nini? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quoi? Et les démons le priaient, ils ont envoie nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en paix. Mapepo ikasema ututupeleke kwa hiyo manguruwe ili tupate kuingia. Dans la vie tant que tu n'as pas encore ce que tu as demandé, il ne faut pas arrêter de prier. Maisha kama uyapata hiyo kitu ulikuwa unaomba usiache maombi. Les démons avaient prié. Mapepo waliomba. Il faut encore quoi? Lakini tena wanafanya nini? Wanaomba tena. Il y a des choses depuis que je prie, je n'ai pas encore obtenu, je continue encore de prier. Kuna vitu ambao uliomba kwa hujapata usiachilie na pasha kuendelea kuomba tu. Si tu n'as pas aujourd'hui. Kama una leo. Demain tu peux avoir. Kesho unaweza kupata. Si tu n'as pas demain. Kama una kesho. Après demain tu peux avoir. Kesho unaweza kupata. Un nombre de fois. Mtu wa imani. N'arrête que lorsqu'il a la chose. Anaacha ni wakati anashika hiyo kitu mkononi. Yes. Mais maintenant qu'ils ont prié, qu'est-ce qu'il y a? Na wakati waliomba nini tu pia? Ils ont maintenant précisé. Wakaonesha fasi na wakati. Chota kitu. Remarquez la qualité des prières des démons. Angalia hali ya maombi ya mapepo. Ils prient avec précision. Wanaomba na lengo fulani. Maintenant là. Na hapo. Nous t'avons demandé autre fois de ne pas nous envoyer en dehors du pays. Hein? Bebe sema usitutoshe nje ya mji. Maintenant nous venons avec une autre précision. Tunakuja na lengo ingine. Envoie-nous dans ces pourceaux et ils n'ont pas monté n'importe quel pourceau. C'est pas les pourceaux qui étaient devant eux. Wewe sema tupeleke kwa hiyo manguruwe wakutaya nguruwe ingine paka ile ilikuwa pale walishota. Beaucoup de choses. Mambo mengi tu ne parviens pas à les avoir. Hauwezi kupata. Parce que tu n'as pas la précision dans tes prières. Sababu maombi yako haina na lengo fulani. Mais les démons ont la précision. Lakini mapepo walikuwa na lengo. Il y avait le chef. Kulikuwa manguruwe. Il y avait des moutons. Kulikuwa makondoo na mabusi. Ah. Lakini hapana. Sisi ni nguruwe tu. Tu ne vas pas faire les choses parce que tout le monde le fait. Hauwezi fanya vitu sababu wote wanafanya. Tu viens. Unakuja. Green card. Unapata green card. Et tu t'arrêtes là-bas. Na unasimama hapo. Nationalité. Nationalité. Tu as vu la nationalité faire manger quelqu'un.
Uliona hiyo uraia ilinisha mtu chakula? Siavi green card faire manger quelqu'un. Uliona green card inapatia mtu chakula. Mbona unidonner un immeuble parce que watakupatia nyumba kwa sababu kuna green card. Tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Hauwezi kufanya yale watu wote wanafanya. Ni la précision. Mapepo walikuwa na lengo. Nous envoie pas chez les chats. Usitutume kwa mapusi. Tout le monde sait que quand un chat commence à ricouler, kwa sababu wakati mbwa anaanza kulia ama c'est des démons, non? Hiyo ni inakuwa kama alama ya mapepo. Usipeke mali pepo pusi. Yes. Ils ont demandé seulement le pousseau. Waliomba tu mangurue. Tu dois prier avec précision. Unapasha kuomba na lengo dada. Dieu mon roi. Bwana Mungu wangu. Père mon. Mungu wangu. Il n'avait même pas de voiture. Hawakuwa tena magari. Il avait seulement le Vespa. Il avait quand tu ne m'as fait pas. Quand on était petit, quand tu ne savais même pas comment, si tu as ta namna gani, quand tu ne fais pas, tu ne fais pas. Moi j'ai dit, na mimi nisema, dans ma vie, ma ishani mwangu, ma première voiture, gari yangu ya kwanza, ça serait une voiture Mercedes. Itakuwa Mercedes. Pasteur. Nilikuwa pasteur. Avec une église, na kanisa, de 70 personnes, ya watu 70. Et en Afrique, na po Afrika, une église pauvre. Ni kanisa maskini. C'est pauvre. Maskini sana. Mais ma vision n'était pas pauvre. Lakini maonyo yangu haikuwa maskini. Il faut pas être intimidé et impacté dans l'environnement dans lequel tu vis. Ni usikue mtu wa kushikiliwa na kuongoza na hiyo vitu ambayo unaona. Les gens vont me dire venez me dire. Watu walikuwa kuja kuniambia. Je sais pas les petites voitures. Ununua tu gari kadogo. $300. Il y a des ça $300. Occasion d'Europe. Ile magari imeita mo occasion d'Europe. Non. Nikasema hapana mimi Mercedes. Mercedes. La voiture que moi je vais prendre. Jo gari ambayo mimi nitachukua. 2003, 2004. Ya 2004. J'ai acheté. Nikanunua 190. Moi, mimi avant cela. Na mbele ya pale. Savais pas comment conduire une voiture. Si vous jouez ta namna kutembeza gari. Je m'étais dit la première je vais apprendre à conduire c'est ma propre voiture. Ni sema kwamba nitajifunza tu kutembeza gari yangu mimi. Et quand j'ai acheté, wakati ninunua, j'ai commencé à conduire. Nikaanza Mercedes. Mercedes. C'était pas la contribution de mes parents. Alikuwa mchango wa wazazi wangu. À cette époque. Na hiyo wakati. À cette époque. Hiyo wakati. Je n'avais pas encore 30. Ni kwa sababu na miaka 30. Je n'avais même pas encore 30. Sikukua tena miaka 30. Non. Non. Mais akini Mercedes. Sanonat. Sanonat. Je voulais avec. Après cet moment. Na baada ya muda gani? Ni problème. Kulikuwa shida. La voiture avait des problèmes. Gari ilikuwa na shida. Ah! Et c'est ah! J'ai dit. Kasema toujours Mercedes. Mimi ni Mercedes. J'ai acheté 230. Quand on a 230. 2007. 2007. 230. 230. Pourquoi? Kwa nini? Moi je voulais savoir la voiture Mercedes. Il est pédé à tout Mercedes. Parce qu'il y a des gens que je voyais quand j'étais petit. Maman, ni quoi non, ou à toi, quand tu es comme Toto. Avec les voitures Mercedes. Magari, ma Mercedes. J'ai dit, moi aussi. C'est ma mimi. Un jour. C'est pour moi aussi. C'est ma Mercedes. Non, mais c'est 230. 230. Quand 230. Quand 230. Il a déjà oublié ta chida. C'est pas vous voyez, j'ai fait que monter. Il est parti dans la panda. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas diminuer. Maman, on tombe bien, mon mot. Ah ouais, c'est couchouka. Tu as la foi. Gama Koukoy. Tu as la précision. Kamon Kono, on a pas chapané l'embo. Tu as la précision. Kamon Kono, l'embo. Il faut que ta pression monte de dimension. La pacha quoi, l'embo, il pas de coupanda. Tu vois, mon mot. Tu vois, tu vois, mon descendant. Il est Johnny. C'est même une Jeep Mercedes. Il va garder une Jeep Mercedes. J'ai fait gagner ML. ML. Et après deux ans, après 2009, après 2009, j'ai acheté ML. Mais quand nous ML, 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 Mercedes, Mercedes, 320. Il y a 320. N'est-ce pas? C'est bien. Mais je ne suis pas l'enfant des ministres. Si comme toi tu es un ministre, je ne travaille pas dans une banque. Si tu me dis que banque, non, non, pas non. Je ne travaille pas dans une banque. Mais si tu me dis que banque, je suis simplement. Mais me dis que tout. Dieu n'a pas créé le monde avec l'argent de la banque. Dieu n'avait pas de papa pour qu'il demande à son père de l'aider à créer le monde. Dieu a créé le monde avec la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Je suis venu dans cette église pour vous donner l'intimaton. Ça c'est la dernière année que tu viennes ici sans voiture. Niyo njo mwaka yako ya mwisho kuja hapa bila gari. Yes! Ndio kesho pale kaka. Na yeye ni kusema kwa mtu. Hii ni mwaka wako wa mwisho. Isi sawa. Kuja hapa kukanisa bila gari. Na mwambie pastor, yeye ni plan. Usiku yake tena kulibeba pastor. Tu ne peux pas être en Afrique pauvre. Ah ouais, c'est quoi Afrique pauvre? Et tu vis aux États-Unis, tu continues avec la même pauvreté. Et les choses que tu verras,
on t'amène en enfer et tu rencontres les démons. Je ne sais pas si tu ma peuple wazi wazi. Non. Ton père est riche. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Ton père est riche. Il s'appelle Elish. Ton père est riche. Il s'appelle Elohim. L'eau et l'argent. Il appartient. S'il peut exaucer un démon. Pourquoi pas toi? Pourquoi toi? Hey. Oh, toi, tu ne comprends pas. Ah, voilà, c'est missionnaire. J'ai des réalités terribles. Dieu n'a pas créé le monde par la réalité. Dieu a créé le monde par la parole. Quand tu reçois la parole, va changer les réalités de ta vie. Il n'a pas choisi de diriger le sujet à ma chère. Mon père et moi, il ne m'a même pas laissé. L'occasion de voyager ne fût qu'à Brazza. Ata bahati ya kwenda hata Brazza hata kidogo. Kwanza Kinshasa. Tu dois aller à Brazza. Utafute na Brazza. 5 minutes seulement de traverser. Ni dakika 5 tu natambuka. Il n'avait même pas l'intention. Akukwata na hiyo mawazo hata kidogo. Il y a des parents au moins qui ont l'intention. Kuna wazazi wengine wakiwa na compris pas ça. Lakini hata kama abatimiza. Lakini wewe una hiyo nia. Le mien. Lakini miangu même pas l'intention. Awapata na hiyo nia. Mais il est mort. Lakini babangu alikufa. Mais alikufa. Après sa mort. A qui est Kisha Koufa Yake? Regardez là où je suis. Regardez Facilico. Ah, regardez là où je suis. Regardez Facilico. Nicole, Nicole. Il y a quelque chose dans cette église. Il y a une atmosphère ici. Vous n'avez tout le monde à Pakalissa Yapa. Regardez là où je suis. Regardez Facilico. Regardez là où je suis. Regardez Facilico. Aucun membre de ma famille me dira qu'il m'a appelé ici. Hakuna ndugu hata mmoja mjamii aliniambia niita mimi kuja huko. Aucune contribution de l'argent. Hakuna mchango ya familia hata kidogo. Et j'ai commencé à voyager ça fait plus de 20 ans. Nilianza kusafiri na kwa miaka 12 ni tangia nilianza. Même là où je dors. Na hata mahali ni chez mon parent. Sio. C'est mon parent. Sio kwa baba yangu. Ni chez mon oncle. Sio kwa mume wangu. Pourquoi? Kwa nini? La foi. Imani. Aïe aïe. La foi. Aïe aïe aïe. Quand j'ai appris que le pasteur était en Australie. Wakati ni tambo kama pum chungaji alikuwa Australia. Ça c'est la foi en personne. Hiyo ni imani ya ukweli. Il y a des gens, kuna watu qui héritent des parents. Wana wako na wazazi. Il y en a d'autres. Kuna wengine qui n'héritent pas des parents. Hawana na wazazi. Hawapati kutoka kwa wazazi. Il laisse des héritages. Na wao waheri wale na wengine wanaacha ma héritage. Pasteur te laissera un héritage. Dada. Utaacha mali kwa watoto wako. Dada, utaacha mali kwa watoto. Mungu ameniambia. Ton futur est plus fort que ton passé. Maisha yako ya kesho ni kubwa zaidi kuliko yote. Mungu ameniambia. Haitafanya mwaka mmoja. Maisha ya maisha. Hadithi ya maisha yako yatabadilika. Hata familia yako. Ne pleure pas, c'est la visitation de Dieu. Je ne te connais pas. Mimi sikujui. Je ne te connais pas. Mimi sikujui. Mais je t'ai vu. Lakini nilikuona. Dans une très grande gloire. Katika sifa utukufu. Et les gens qui t'avaient combattu, qui t'avaient injuré. Na watu walikuwa wanakutukana, walikuwa wanakudharau, wakikushusha hata chini. Je vois ces gens-là. Nimeona wakisema. Mwanamke huyu. Il a une force. Eko na Mungu wa Mungu. Parce que ce qu'on lui a fait. Kwa sababu ile walikutenda. Elle ne peut pas être secret de Dieu. Yale tulimtenda hawezi kuwa vile. Je ne suis pas en train de distribuer des choses pour des gens. Ikiona uko na kabula watu vitu. Parce que Dieu va t'élever une dimension très. Kwa maana Mungu atakuinua mahali moja. Ni muda wa Mungu kwako. Ni muda wa Mungu kwako. Tupige makofi kwa Mungu. Yeye ni mkubwa Mungu sababu yeye ni mkubwa. Mais allez dans une église de blanc. Unaweza na mkanisa wa kuwa wazungu. Tu haupati kitu. Tu vas dans une église où il y a 10 personnes. Unaweza na mkanisa. Uko watu 10 na upati kitu. Église où il y a 3 personnes. Lakini mkanisa mko watu 3. Tu parles comme il vient de me parler. Au Mungu anakusema vile amemtaja dada huyu. Amen.
Il est le Dieu de précision. Yeye ni Mungu mwenye kuwa na lengo. Oh, yes Lord, 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 yes Lord. Vous voyez certaines personnes comme ça. Unaona watu wengine hivi. Mais vous ne savez pas leur histoire. Quand l'homme de Dieu témoignait. Wakati mtumishi wa Mungu alikuwa ki. Tocha. Ushuhuda Mungu akanionyesha. Que son passé c'est un passé de beaucoup d'injustice. La maisha yako ilipita ni maisha ilikuwa na injustice, ilikuwa na haki. Beaucoup d'injustice dans sa vie. Na ma injustice te mingi sana. Beaucoup d'attaque. Kufuatiwa tena sana. C'est quelqu'un. Ni mtu. Tel qu'il est là. Il est copain. Il est le produit de la grâce de Dieu. Yeye ni kitu ya neema ya Mungu. J'ai vu dans sa vie comment les gens le combattaient. Nimeona vile watu walikuwa wanampiganisha. Il y a certaines personnes qui disaient faussement des choses. Nimeona hata vile watu wakimchongea uongo. Mimi simjue. Mais ce sont des choses que Dieu m'a montrées. Ni vitu Mungu amenionyesha. Ce sont des choses que Dieu m'a montrées. Ndio vitu Mungu amenionyesha. Et je vis. Na nimeona. Il est arrivé à un certain moment. Ikafika wakati. Il préférait la mort que la vie. Alitamani hata ajiue akufe hata kuliko kuishi. Dans sa vie. Katika maisha. Mais il n'a pas compris. Naye akuelewa. Comment Dieu? Vile Mungu. Au milieu de toutes ces injustices. Katikati hiyo. Mabaya yote. Il a relevé. Mungu amemuinua. Il a relevé. Na Mungu anamuinua. Il est présent, il ne comprend pas. Na hata yeye hajaelewa ni nini. Amen. Yes. 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 Moi je le comprends. Moi je le connais. Mimi sijue ni nini. Un jour j'ai prié avec madame. Siku moja nilikuwa naomba na mama huyo. Je lui ai donné une prophétie. Nikamwambia unabii. Il était étonné. Naye alikuwa akishangaa. Une parole de connaissance, il était étonné. Nilimwambia juu ya maisha yake, wa nyumba yake na hata akashangaa. Yes. Dieu n'est pas grand parce qu'il est grand. Yes. Mungu si mkubwa sababu tuko na kanisa. Dieu est grand parce qu'il est grand. Yeye ni mkubwa sababu ni Mungu. Même quand on l'invoque dans une cave, il agit. Hata tukimuita katika kanyumba ka hivi atatenda. Amen. I remember. Oui. Oh, Jésus. Tel que vous me voyez là. Vile mmeniona hapa. Je m'habille. Nilikuwa nikivaa. Par les habits de la friperie. Ma kama manguo hiyo ya combo. Combo. Ile manguo ya watu washapa. Hata nguo yangu ya ndani. Si je dis que je ne peux pas acheter ça. Kama nikisema sita nunua hii. Wapi nitapata pesa? Pour avoir mes souvenirs. Ambi kuvala nguo nyingine nzuri. Ma force! Nguvu yangu. C'était les collègues de bon tailleur. Ilikuwa ni kujua ni wale wanajua kushona. C'est un pantalon gros? Kama na pantalon kwa mnene. Avec le tailleur il peut diminuer. Unaweza kwa tailleur anaweza kupunguza na kwa. Je ne connaissais même pas la taille de mes habits. Sikujua hata ngu numero ya mango yangu na vala. Parce que les habits quand on te les donne. Kwa sababu wakati wanakupa. Tu ne connais même pas la taille. Au chua tabu nene. Tu me donnes seulement. Wase ni petu. Un jour quelqu'un m'a dit. Mais si comment j'ai je vais t'envoyer des habits. Donne-moi ta taille. Ni patie numéro yako. Je ne connaissais pas qu'il existe des tailles. Ni kujua sikujua hata kuna mkama numéro yako. Envoie seulement. Nikamwambia wewe tuma. Ya lazima tu. Yake tia envoyé. Yote tu ne ulituma. Oh Jesus Christ. Amen. Jesus. Mais quand j'ai connu ce Dieu. Wakati nilimjua huyo Mungu. C'est Dieu d'amour. Mungu wa mapendo. C'est Dieu puissant. Mungu wa uwezo. Ni mon vrai père. Atakuwa baba yangu wa kweli. L'homme riche de ma vie. Mtu tajiri wa maisha yangu. C'est lui à qui je me confie. Yule nimejiachilia kwake. Honore sans papa. Kunalo kama yeye. Kusini sans papa. Kama kusini haiwezekani. Yesu sans papa. Kama kugonjeka. Alikuwa kwake. Yeye au ciel. Wewe aliye mbinguni. Sasa tuzu ale. Yanapaswa kuendeka tu. Il est mon numéro de téléphone le plus direct. Yeye ni namba yangu ya simu ambayo inapita mara moja. Quand d'autre numéro ça ne passe pas à cause des réseaux. Kama ma numéro nyingine piti ji ya réseau. Mais quand je l'invoque. Ali mimi nikamuita. Il n'y a pas de problème de réseau. Hakuna lazima ma réseau. Il n'est pas un Dieu qui me dira attention, on est en train de m'invoquer en Chine, le réseau est occupé. C'est lui, le réseau n'a jamais été occupé. Chawe kwa nani itashimu kanita saingine lakini pamoja na pisa wakati nilimjua ile kone pa kama una badoni chakia
Hachue gisi bana kwa na achili ya mutu. Ile kwa mon problème. Hawezi kwa na shida yangu. Iba pale saa kake notu. Nende akambia mutu mungi. Puru mimilie. Kwa jile kunizara uisa. Sipi shirini. Yote ni mamosia. Nafisi ni metiza. Hata kama ni mambo mabaya. Ile ramas. Anaishika tu. Ei mesui. Na ananifuata tu. Otrame de son son. Katika mashida. Ipilisi mafi. Anatakasa maisha yangu. J'ai confiance en lui. Niko na ufura kwake. Kupicha mama yangu. Nina mtumenia ye. Kuliko mama yangu. Nina mtumenia ye. Il y a des gens qui sont là. Alléluia. Amen. Je lui dis, ni kamambia. Maintenant que je le connais. Na leo ni mikasema na leo namjua. C'est fini les habits de flipper. Inaisha maisha ile mtu manguo ile mtu aisha vala kisha na mimi. C'est quand là porter là. Ile mzungu alikuwa aisha vala. C'est même pas si il était sorcier. Si tu es comme alikuwa mchawi. Sorcier au mtu wa magie. Moi je porte. Na mimi na vala. C'est fini. Inaisha. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans. Inakuwa karibu ni miaka makumi mbili. Sijawaivaa tena mambo ya mimi. Esiki mekonesi. Na wale wananijua. Kama la sara kivyo wani. Kama ida. Safe kukwanta ke tivya nisi. Na kwa siku mbili. Safe ibisi mekisi. Nesame. Ye, no, lui vema zini kinuazi. El zini kinuazi. Ye, ni kinuazi. Amen, eh? Oye, bie. Yeah. Et partout à Kinshasa. Parce que tu es ça. Les gens vous diront que moi j'aime bien m'habiller. On a sait, mais oui, vous devez être ça. C'est pasteur ici, il s'habille très cher comme ça, pourquoi? On a sait, oui, oui, pasteur, on a peur d'avoir vous ouvrir le tuyau. Quand ils me voient, quoi qu'il y en a, ils me disent, on a sait. Oui, quand vous les voyez, tous les vestes serrées, taille. Ou qui m'ont dit, tout ma veste, ma gueule qui a fumé ça. Mais ils ne savent pas là où j'étais. Ah, tu es fasciné, mais toi, fasciné de quoi? Même quand ils te critiquent, il ne faut pas les suivre. Ils ne connaissent pas d'où tu viens. Attends, quand on dit que quand on voit que tu es un député de notre pays, ils ont dit, toi, il faut seulement que tu puisses mettre en place une boutique d'habillement parce que nous aimons ta façon de t'habiller. Et quand on a un ministre, moi, quand j'aime bien pour le Congo, c'est ma way, je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que je suis ya kuvaa sababu wewe unavala comme vous voulez ça là qu'il a fait. M'a fait tellement grâce que même dans notre pays, je donne le style pour les habillements. Na Mungu alinifanya neema hata katika jeu. Et bien qui va qui toi toi tu wananifuata kisi nilivaa. Les gens commencent à mettre. Na watu wanaanza kuvaa. Yes, ndio. Je crée même le style. Na hata nimetafuta hata mama namna ya kuvaa mimi. Ça c'est mon album de 2011. Hii ni album yangu ya 2011. Ce style ici c'est moi qui a mis ça Kinshasa. Ni yeye alileta ku Kinshasa. Wow. Et ça c'est mon album de 2014. Il y a un 2014. Vous voyez? Naona. On appelle ça Colmao. Colmao, il n'a pas Colmao. Et je mets la cravate dessus. Il n'a pas cravate. Et les gens commencent à s'habiller comme ça. Aïe 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 Avec Dieu, c'est la précision. Tu ne dois pas accepter n'importe quoi parce que tu pries. Dieu, c'est le Dieu de la hauteur. Quand je monte dans la Dieu du passé, je dis ça, c'est un homme de vision. Nikasema huyu ni mtu wa maonyo. Amen. Yes, mchungaji. Yes. Yes. Amen. Amen. Yes. Vous sentez que même quand vous êtes là, l'onction s'ajoute. On a si hata wakati kwa pana sikia mafuta iko naongezeka. Yes. Amen. Maonyo. Ah yes. Amen. Amen. Nous
avons un grand Dieu. Pour des grandes choses. Pour mambo makubo, amen. Il ne faut pas que nous commençons à envier les païens. Si là, si ma sisi tout amani vitu vya wapagani. Ils ne connaissent pas notre Dieu. Awamujui Mungu wetu. Les païens doivent nous envier. Wapagani wanapaswa kutamani sisi. Sababu tuko na notre problème. Nous n'avons pas de vision. Atuna na maonyo. Vous voulez que je dise quelque chose? La peine est de tout le monde. On ne vient pas l'église pour chanter, on vient pour des choses qui changent la vie. J'ai des petites sœurs. Un jour j'arrive. Les premiers me demandent. Tu veux combien? On a peine à moi je lui demande. On a peine. Comment veux on a peine à 5 dollars. Qu'est-ce que tu fais? Je prends 5 dollars. Les deuxièmes arrivent. Toi tu veux combien? On a peine à 10 dollars. Merci, dollars. Dollars. Je lui donne. Parce que c'est ce qui m'a demandé. L'autre vient. Tu fais combien? 200 dollars. Je prends 200 dollars. Je lui donne. Mikamu. Quand celle à qui j'ai donné 20 dollars, dollars. Se rendit compte que j'ai donné 200 dollars à l'autre. Na wakichwa ni elfu mbili, mia mbili. Oh, moi, je suis une mauvaise personne. Wakasema, oh, wewe uko mtu mubaya. Est-ce que moi je suis une mauvaise personne? Non. Est-ce que moi je les avais empêchés de demander 1000 dollars? Ni liwa katosa wa niombe dollars 1000. Il y a des gens quand ils viennent à l'église. Kuna watu wakikuja kanisani. Ils pensent que Dieu c'est comme leur père pauvre là. Wanafikiria Mungu ni kama mzazi wao ule masikini. Dieu c'est comme leur tante là qui est pauvre. Wanafikiria Mungu ni ule tante wao masikini. Ils vont vous donner beaucoup d'explications pour vous donner 100 dollars. Anaweza kuwauliza mingi kwa kumibashia 100. Et au-dessus de ton père là. Mungu ni zaidi ya ule baba yako masikini. Et au-dessus de ta tante là qui est pauvre. Ni zaidi ya ule tante wako masikini. L'argent lui appartient. Sahabu na pesa yote ni yake. Ce pays où les noirs sont venus ici comme esclaves. Il n'a kama wa fungwa. Mais un noir est arrivé au point de devenir président de la République. Amen. Président wa inchi. C'est pour dire qu'il n'a pas de barrière. Ni kusema kuna mipaka. Amen. Amen. Hakuna mipaka mu maisha. Barrière c'est toi qui les places. Mipaka ni wewe peko unajiwekea. Tu peux avoir ce que tu veux. Unaweza kupata kile kitu unatamani. Dieu. Mungu gani? Obéis à l'homme de Dieu. Heshimu sheria ya Mungu. Donne à Dieu. Mupatie Mungu. Et tu verras la magie de Dieu. Na utaona magie ya Mungu. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Je ne comprends pas pourquoi toi vraiment tu bénis seulement d'autres personnes, pas moi. Mungu mimi sijue juu ya nini unabaria wengine unabariki wengine bila kunibariki mimi. Moi, mimi je suis pas venu accompagner les autres. Mimi sikuja kushindikiza wengine. Les autres qui sont venus m'accompagner. Ni wengine walikuja kunishindikiza. Parce que moi je suis fils de Dieu. Kwa sababu mimi ni mwana wa Mungu. Je suis fils de Dieu. Mimi ni mwana wa Mungu. Puisque fils de président. Zaidi ya mwana wa mfalme wa président. C'est que le diable attaque. Qui touche à la face? C'est ton identité. Ni Jésus. Il lui a dit, si tu es fils de Dieu, transforme. J'étais là pour mon énergie. Mungu, Yesu a demandé. Concernez l'identité. Qui te croit que j'étais là en fait à moi, ma identité à quoi? Je ne suis plus l'enfant de mon père depuis très longtemps. Mimi sina mutote ya baba yangu tangia mwaka mingi. Quand toi tu me regardes, tu penses que moi je suis congolais. J'ai quitté la nationalité congolaise depuis très longtemps. Je suis enfant de Dieu. 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 Je suis ambassadeur du royaume. Je suis ambassadeur du royaume. Le pays dans ce monde ne peut me priver de visa. Hakuna nchi hapa duniani itanipa visa. La banque au ciel. Anki a jamais en faillite. Si je vais construire une maison ici, je construis une maison ici. Je vais construire une maison ici. Yes. Yes. Il exauce les démons. Anna Kubalia, maman Pepo, na wajibu. Achani wambi. Koja. Il y avait combien de pourceaux? Verset 13. Verset 13.
Marco 5:13. Raka, soma raka. Yes. Combien? Ouais. Je l'ai permis et le esprit, il sortira en terre dans le pourceau. Et les troupeaux se précipita de pentée escarpée dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyeraient. Dans la mer. C'est bon. Elfumbili, Mangurume. Combien? Elfumbili, 2000. Combien? 2000. 2000. Yes. Elfumbili. Qui sont entrés, les démons sont entrés. Ma pipe, écoute, j'ai les 2000 pour cela. Voyons, ma. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mangurume. Vous avez été tous? Tu es! Wanti Walikufa! 1%. Rue moja. Estimons la valeur. Il est descend. De là. Rapide. Gourou est. Non. C'est pas un cochon. Ça, c'est 50. 100. Gourou est moja. Ouais, laisse avoir ma pousse. Mais je suis pas dans un appel. 130, ça c'est grave. Bon, ok. Disons c'est un. Tu sais mais tout. 100. Tu sais mais tout, mais en mode. N'est-ce pas? Ça va. Multiplions les 2000 par 100. Où fallait 2000 par 100? Combien de millions de dollars? 20 000 membres. 2000, quoi, 20 000, puis c'est 200 000 dollars. Ce jour-là, Jésus a occasionné la perte des pourceaux de truie qui s'est levé à 200 000 dollars pour faire quoi? Pour seulement exaucer la prière des démons. Yes. Asema Yesu alikubali hiyo mangurume kufe zaidi kama 200 000 dollars ipote sababu ya kujibu tu maombi ya mangurume ya mapepo. Revelation. Pour seulement exaucer à la prière des démons. Kwa kujibu tu maombi ya mapepo. Les démons ont exigé. Kwa sababu mapepo waliomba. On va pas sortir du pays. A tout à quoi il y a un mot. On ne va pas aller chez les chats. N'a tout été quoi ma poussée. Seulement chez les pousseaux. La guinée quoi mangoué. Et quand ils sont sortis, la wali poto. Parce que Jésus les avait permis. Quoi ça va vous dire, soit le wali Jésus les a permis. Yes, soit le wali moussou. Ça a occasionné. Il est là. Hein? Une perte de 200 000 dollars. Il fait sa taille à 2 000 dollars. 1 000 à ma dollar et côté. Alors j'ai compris dans la vie. Si je n'ai rien, comment je ne demande pas bien. Si on savait, ni que c'est ma manière que si on me visait. Yes. Parce que Jésus n'est pas mort pour les pousseaux. Parce que là, Yes, soit coucou, pas tu as ma pepo. Jésus n'a jamais été à la croix à cause des démons. Yes, soit coucou, comme ça, là, ça va bien ma pepo. Jésus n'est pas mort à la croix pour les démons. A quoi est-ce que ça va tu as ma pepo? Aucun démon n'a l'identité d'enfant de Dieu. A quoi n'a pepo, moi, j'en ai été à l'adoration des démons. A quoi est-ce que ça va pas tu as ma pepo? Donc, s'il est capable d'exaucer aux démons, comment la couba, il m'a envie à ma pepo? C'est que moi, il est capable de m'exaucer à des dimensions très élevées. Il m'a dit qu'il n'y a pas de kubalia zaïdi tena yurusana. Yes! Oh. Aïe. C'est des choses qui me rendent fou. Ni vitu vina ni tchèque comme toi oisi. Pourquoi psaume te dit ceci? Bible et Zabouri na semaine. Demande à l'Éternel des extrémités comme héritage. Umuombe mungu mambo makubwa kama vile zawadi baraka yako. Ou de la terre comme position. Kama dunia yote kuwa kama makao. Umuombe mungu mambo makubwa. Umuombe mungu na mwanaume mwenye unapenda watae kimo guneno napenda. Yes. Tu peux demander à Dieu même les délais pour le travail. Unaweza kumuomba mungu na mpatia siku ya we kubatia kazi unataka. Si tu veux faire les cailloux, tu le fais. Unapenda. Si tu veux travailler aussi dans les entreprises, ça n'est pas de toi. Kazi yote unapenda kutumika unamwambia mungu unapenda kazi fulani na patana. C'est ta foi. Yote inapatana na imani yako. Les démons la foi. Mapepo weko na imani. Ils ont occasionné la perte de 2 000, 200 000 dollars de pourcentage.
n'appartenait ni à la tante de Jésus, ni à l'oncle de Jésus, ni au petit frère de Jésus, mais des poussons qui appartenaient à des gens que Jésus ne connaissait pas. Alikuba, alikuba, ma ombi à ma pepo, il a poté, c'est les elfes, il a ma yama. Yama kute pate kupote. La Bible dit. Bible inasema. Quand ces poussons étaient tués. Kama yanguru eli huwa. Les gens de cette ville-là ont chassé Jésus. Watu wa yamugini wali mfukuza Yesu. Jésus a accepté qu'on les chasse. Yes. Simplement pour exaucer la prière des démons. Yesu alikubali wa mfukuze ili aitike tu maombi ya ma yama ya nani? Ya ma pepo. Sikia vile tuko wa maana. Je sens qu'après ce dimanche ici, il y aura des promotions terribles dans le travail. Ni metu. Des ouvertures terribles ici. Je sens. Amen. 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 Même ton mari qui n'est pas là, il sera fait. Mungu atawabariki sana. Na mtapata makazi. Hata ule akufika, mimi naona Mungu atakupa milango. Yes. You know the food is telephone. Batalita kumasimu. Mutaitua kumasimu. You know the food is telephone qui vient de l'Afrique. Itatokea kwa Afrika. On t'a engagé ici pour un travail de 10 000 dollars. Walikuandikisha, walikupatia kazi juu ya kupata mshahara mingi. You know the food is telephone qui vient de l'Europe. Itatokea kwa Europe. Nous sommes pas venus ici pour faire le jeu. Atukuja hapa kwa kucheza. Nous sommes venus ici pour changer la vie des gens. Tulikuja kwa ajili ya kubadilisha maisha yao. Le service doit changer la vie des gens. Maisha ya Kristo ni kwa kubadilisha maisha yao. Prier. Wakati una votre famille. Maisha ni mwetu. On interdisait. Ma familia yetu kwa nikatasa. Wakisema mambo ya vile. Que tu vas devenir pauvre. Ile utakuwa maskini. Ils ont commencé à voir. Wakati walianza. Tu es en train de me bénir. Mungu wangu akiona ni bariki. Ils ont commencé à dire. Walianza sema. Les enfants de la famille. Wewe. Allez sur votre grand frère. Asema. Wote wanaanza sema na kwa mkuu wa familia. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Il est temps. Ni muda. Que Dieu te bénisse. Ni Mungu akubariki. Il est temps. Ni wakati. Ili watu vive ton Dieu. Wakupate Mungu wako. Je dis qu'ils suivront ton Dieu. Watafata Mungu wako. Si tu me donnes un amen. Ukanipa amen ya kweli. Je vais grossir ta bénédiction. Ah, ah, si tu me donnes des amen. Ukanipa amen ya kweli. J'élargis ta bénédiction. Ah, amen. 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 Et si tu me donnes trois amen. Ukanipa amen ya tatu. Ta bénédiction sera comme l'éternité des États-Unis d'Amérique. Ah, toka maisha yako kwa sababu ni wakati
Aina wakati wa kutamani mambo ya wengine na kuona na wivu kwa wengine. Comme le passer le venir. Kama vile mtumishi amebadilika. Mimi siwezi kumsikilia wivu. Aller chez notre père parce qu'il a aussi ma part. Nitaenda kwa baba yangu kwa sababu yeye iko na yangu pia. Yes. Il y a des gens qui sont ensemble dans la présence de Dieu, ils ne connaissent pas qu'ils ont une part avec Dieu. Na wengine wepo mbele ya Mungu na wajui kama kuna vitu vyao viko na Mungu mikononi mwao. Mikononi mwao. Toujours la prière, prière. Kila siku kuomba, kuomba, kuomba. Le père était étonné. Baba alishangaa. Toi tu es avec moi ici, tu ne sais pas.
pas que ce qui est à moi est à toi. Oui, on connaît mimi à pas tu vis tu es bien ou ni bien quoi oui. Aujourd'hui tu commences à dire moi, même un chevreau, tu n'as même pas tué. Mais c'est comme ça que je savais prier. Ah bah, on a fait un peu comme ça, on a fait un peu comme l'aîné ne connaissait pas sa part. Ule mzaliwa wa kwanza hakujua fasi yake. Lakini ule mdogo alijua fasi yake. Il y a des gens qui craignent Dieu mais ils ne connaissent pas qu'avec Dieu c'est pas la prière, la présence de Dieu. Avec Dieu il faut aussi avoir capable de régner comme les autres enfants d'un père. Wengine ni watoto ya Mungu wanakuwa Mungu ni kuomba hawajui fasi yao. Kumbe hawajui kuwa na Mungu ni kukua na vitu vyote na unaona tawala katika sifa yako. Amen. 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 Un jour, si vous m'aujez, j'ai vécu des galères terribles. Il n'est pas taché d'ailleurs. Dieu a envoyé un homme de Dieu qui est venu prêcher dans notre. J'étais déjà basse. Oh, mon gars, tu m'as montré si m'aujez pour qu'aller ça, puis tu as couru, mais tu ne cherches pas, puis tu as couru, mais tu ne cherches pas pasteur. Chaque culte, vous coûtez un mot j'avais 10 dollars. Il est quoi $1 pour qui tu m'as fait faire? En bas, regardez c'est quoi les salaires de mon gars. J'ai loué une maison qui était à 100 dollars, mais vous payez ça. Il va pour inalipa mia moja, lakini kwa kulipa. C'était des miracles. Il va pas comme une chose à manger. Quand on était le 23, le 24, j'avais des stress au point d'être hyper tendu. Il a fait comme le 23, le 24. Je n'ai pas pu avoir 100 dollars. Shida, la karibu ni koji, kwa juu kupata tu 100 dollars. Et un jour, lakini siku moja, j'ai rassemblé l'argent. Il va kutanisha pesa. Na kwa kwa, je voulais au moins avoir $500 pour changer les maisons. Au moins, il y a 1500 pour les batteries. Il y a $10 pour les batteries. Il me faut 50 semaines. Il y a des batteries sans beaucoup dépenser. Il y a une hypothèse. De même, quand tu me dis, oh, tu es malade, je ne regarde même pas les $10, c'est pour les comptes. J'avais déjà 350 dollars. Il y a 350 déjà. Pasteur, moi, il y a dit, Dieu va venir quelqu'un. Il va changer les saisons des salaires. Il va changer les saisons des salaires. Na ule mtu anapasha kutoa pesa 50 na ngiri kwa yake atulipa nyumba tena kwa ile ile. Nikasema mimi niko pasteur if you wanaomba kwa wa Kristo. Na ile siku kile person anavyo. Hakuna Mungu mtu alitoa. Kisha sango ya Roho Mtakatifu kaja. Et toi qu'il s'agit. Ni wewe ndio wewe kwa nafambia. Je dis Seigneur. Nikamwambia Mungu j'ai pris 35 semaines. Nilipata ma wiki se 35. Pour papa et 350, il veut que je puisse donner ça. Non, en fait, que je recommence encore les processus. Qui signale, c'était la guerre pour mais j'ai appris. Quand tu fais des grands sacrifices à Dieu, tu couvres une saison. Tu sais, on a fungo à Wakati, je vais à la maïsha, on a tout à l'heure. Après, Kisha. Mwezi moja. Un pasteur a envoyé son émissaire de Brazzaville. Pasteur moi kaita habari kutoka Brazzaville. Il est venu me chercher. Akakuja kunitafuta. Vizuri ya Brazzaville. Ikaenda Brazzaville. Pour la toute première fois. Kwa turi ya kwanza. La France a ouvert même des portes de frontières. Iyo yo sadaka ikaanza kufungua tama frontières ikaenda Brazzaville mara ya kwanza. Je prêche. Nikaenda kuhubiri. Après 4 jours. Kisha siku ile. Quand j'ai fini. Wakati nimalizia. J'ai vu des gens donner Tunamuomba Mungu wa mafamilia yetu kale kama Mungu kadogo. Wale sio na nini shosho. Ndio maana mambo maisha yetu yalitumiki sana. Mais les démons n'ont pas peur de faire dépenser Jésus 200 000. Lakini mapepo wa Bwana woga ya kumpotezesha Yesu atoe yeye 200 000. Ipokee yeye. Ina peur. Hawa pogo ba. Sana Jesus. Na walimwambia Yesu 200 000. 200 000 ipokee. Ina même pas. Na hata wakuona kama shaka. La vie d'une personne change. Maisha ya mtu inabadilika. Quand les réalités des affaires se changent. Kama ukweli shida ya maisha yake inaanza badilika. Moi je suis pas venu prêcher comme vous dites. Si vous pouvez dire comme vous dites.